Et salut à tous, soyez les bienvenus sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série. Aujourd'hui, on va s'attaquer au nouveau jeu de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Le jeu est sorti aujourd'hui, le 4 octobre, et nous sommes directement dessus. Alors, je ne connais pas ce jeu, c'est un jeu que j'ai déjà vu, bien sûr, mais je n'ai jamais joué. Et c'est grâce au, comment ça s'appelle, au gameplay qui m'a plu en fait, et je me suis dit vas-y je l'achète, on va tester ça. Donc on est sur PS4, on va essayer de découvrir à peu près tout ce qu'il y a à découvrir pour se mettre vraiment dans le jeu. On va essayer de faire un gameplay, on va pas essayer, on va faire un gameplay sur ma chaîne, et j'espère que ça va vous plaire. On est parti, donc hop, normalement j'ai fait les configurations, il n'y a pas grand chose à faire. Je connais pas du tout l'histoire de ce jeu. On va se mettre dans l'ambiance. Et c'est parti. Je sais qu'on peut. Il y a un jeu online et le jeu solo. C'est ça, je pense. Ouais, si je me trompe pas. Jeu online, jeu solo. Ouais, à voir, hein. Il y a une campagne principale. À voir. Pardon. Allez, c'est parti. Alors là, c'est quoi? Végétation. Putain, ils ont mis 73 trucs là. Moi, je connais pas du tout. Il va falloir vraiment que je m'habitue. Petite question pour ceux qui me regardent, bien sûr, ma petite communauté. Qui a découvert le nouveau Call of? Enfin, le nouveau Call of. Le Call of mobile. En ce moment, je suis à fond dedans. Je kiffe à mort. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Je pourrais peut-être faire des vidéos dessus, des petits lives avec mes potes. Donc n'hésitez pas à liker et laisser en commentaire ce que vous en pensez. Bienvenue On est chez parti, on Aurora, regarde la cinématique. l'incubateur du monde 2.0. Je m'appelle Jace Skell et nous vous attendions. Si vous avez été invité ici, c'est pour innover et créer. Mais nous avons aussi une autre tâche à vous confier, la plus importante de votre vie. Ici, à l'écart du monde, nous créerons les outils destinés à entraîner la planète dans l'avenir. Une économie durable, un environnement florissant, des foyers sûrs pour vous et votre famille, et une communauté qui célèbre l'innovation. Les générations suivantes oublieront peut-être notre existence. Pourtant, c'est grâce à notre travail qu'elles prospéreront. Merci d'avoir rejoint Scaltech, Superbomb. C'est toujours dans l'avenir. Ça commence, c'est pas mal, c'est une belle histoire. Il y a un hic, il y a toujours un hic. L'ESSC a mystérieusement sombré dans l'archipel d'Aurora, siège de Skelltech. Dans l'incapacité d'établir le contact avec Aurora, la CIA a lancé l'opération Greenstone, à la tête d'une escouade de Spec Ops formée de 32 Ghosts, dont l'objectif consiste à... Ok. Opération Greenstone, archipel d'Aurora, océan Pacifique. Ok, qui est cette personne? Il me regarde. Ah ok, c'est la personnalisation. Créer votre ghost. Personnaliser l'apparence. Homme, femme. On voit comment elle est la femme. D'accord. Homme. Ensuite, visage. Camille, Cunald. En fait, elles ont des gens, c'est trop stylé. Ah, Jamel. Ou lui. Non, c'était qui? Je sais plus où il est. C'est Cunald. Il a l'air fâché. On va laisser le standard. Lui, non. Lui, il est bien. Ok. Ensuite, couleur des yeux. Coiffure. Barre, une petite barre, ouais, qu'est-ce qui est intéressant.
Mais non, mais elles sont pas belles vos moustaches là. Celui-là encore ça passe. Petit bouc. Ensuite, couleur, noir. Détail du visage. Genre, tu veux pas tourner la tête? On peut cramer le visage. On s'en fout du détail du visage. Et confirme que choisir cette apparence. Sauvegarde. Ok. Voilà mon ghost. On est dans la merde. C'est moi ça? C'est beau graphiquement, franchement. C'est pas dégueulasse. Hein. Donc là, à mon avis, on s'est crashé. Oh, bordel. C'est quoi qui l'a tué là? Enfin, c'est quoi qui a attaqué le. J'ai pas compris. Ceci, c'est moi en fait. Ok. J'ai pas compris ce qu'il a défoncé l'hélicoptère. Oh merde. Putain, c'est bien fait. Hein. Je trouve que le visage il brille un peu trop. Les décors ils brillent un peu trop. Mais c'est pas trop mal. Putain. Allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est juste des égratignures, mon pote. T'as rien, t'as rien. T'es vivant. Reprends-toi, reprends-toi. En gros, je suis un agent ghost. On doit pas rigoler avec un nom comme ça. Hein. Ok, on est en plein dedans. Ghost Recon Breakdown. Oh non, tu vas pas me dire que je vais commencer à bégayer avec lui là. Ok, alors attention, attention. Pack, je sais pas quoi, c'est ce qu'on a gagné. On a la boussole à droite. Là, pour s'accroupir. Putain, c'est. Oh, franchement, j'ai kiffé. En gros, tu sais, il s'accroupit pas genre en mode machine. Il est blessé, il prend son temps pour s'accroupir. Interface. Fouillez le site de crash, suivez. Les colonnes de fumée. Okay. Allez mon pote. T'as visé ou pas? Ok. Allez mon pote. Je sais pas. Comment je me sens? Ah, tu fais quoi là? Ah, silencieux. Bah c'est bien, je me garde. Je pense pas que je me... enfin, je pense pas que je puisse me soigner. C'est en rouge donc. Ça nous blessure. Est-ce que. Ah, ça c'est là. Ok, c'est le menu. Ok, donc on a la petite map. Ça, ok, ça c'est mon pote. Amioniquement. Ok, bon. On verra ça. Ah, allez mon gars. Grimper, d'accord. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Faut qu'on trouve un truc pour se soigner là. Pourquoi je dé... Ah d'accord, on est dans une mare en fait. Ça fait quoi? Ça fait rien. J'ai envie de me faire de tirer à mon avis. Ah, enfin j'ai trouvé. Ok, c'est mieux.
D'accord, ça c'est stylé. D'accord. Soigne-toi. Voilà. Là, tu vas mieux là? Là, il va mieux. Là, on est d'accord. Allez, on y va. Alors, je sais pas qu'est-ce qui nous a mis KO. Non, faut que je fasse gaffe. On va jouer la furtivité, hein. Sur la map déjà. Ah, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Sur la map, on met un truc chelou, donc je sais pas s'il y a des gens. Ah, j'ai entendu quelqu'un là-bas. Il y a deux mecs. Il y a deux mecs. J'ai vu deux mecs et je vais me les faire furtivement. Premier d'une grande histoire. Hein. Eh ouais. Ah, est-ce que je peux le faire lui en furtif? Et l'autre je tire de loin s'il me voit. Ouah, ça s'assombrit. Pourquoi ça s'assombrit? Ok, neutraliser en poignée. On va neutraliser direct. Ouah, quelle violence! Bon, j'espère qu'il y en a que deux parce que je n'ai vu que deux. Baisse-toi, baisse-toi. Donc on peut le porter. Le fouillage est automatique, ok. Je vais voir il y a quoi là-dedans. Ok, donc on prend les munitions automatiquement, ça c'est cool. Là. Ok, grenade. Ça se passe quoi là? Donc il y en a un pour ouvrir la roue d'objet. Pour changer. Ok, d'accord. Très bien, on continue, on continue. On va aller vers le trash. J'espère qu'il n'y aura plus personne. J'ai pas vu de gens de toute façon. Par ici, il n'y a rien. Ok. Merde, je sais pas, en fait j'ai pas bien vu, j'ai eu l'impression que c'était un truc technologique. Il y a la zone de crash. Si c'est un truc technologique, ça colle avec la cinématique en fait. Car à mon avis ils ont dû créer des trucs. Ah, une nouvelle arme. Comment on change? Avec la roue? Non. Nouvel équipement obtenu, option pour accéder à votre équipement. D'accord. Là je vais dans équipement. Non. Gérer votre équipement à l'écran du même nom. Votre niveau. Équipement. Cet écran vous permet d'équiper deux armes. Ok. Et là on a. Ok, équipement. Ok. Et moi je veux rajouter l'arme. C'est ici alors. D'accord. Je peux en rajouter 3. Plus les grenades et les bandages. Et là. C'est chaussures, pantalon, gilet, casquette. J'ai pas de casquette? Non, des gants. Faut changer ou pas? Pantalon. Ça, c'est que j'ai pas. Ok. Il y a quoi ici là? Une expérience tactique, joueur contre joueur. Ghost War. Ok, donc ça doit être en ligne ça. Ok, on découvrira ça une autre fois. De toute façon, moi je vais me concentrer sur la partie campagne. Alors, on continue. C'est quoi ça? Alors, pour switcher. Ok. Merde. Voilà, on a des Les bandages. soldats. Ah, les pauvres. Examiner. Merde, il est mort. Je m'étonne. Tu fais gaffe, hein. Attention, s'il y a du monde qui arrive. C'est une seule mort. Pour plus vite. Ouais. J'ai rien au corps à corps. Genre un couteau. Bon,
Bon, pour l'instant, pas déçu. Hein. Change d'arme. Non. Faut appuyer deux fois. Ok, deux fois. Deux fois pour changer. Allez, une caisse par là, par exemple. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes? Non. Ah là, sur la map, c'est rouge. Donc à mon avis, il y a du monde. J'entends quelqu'un. Il y a des secretos. Secretos. On va aller prendre la boîte. On a du beau matos sur cette île. Il paraît qu'ils ne s'attendaient pas à des défenses comme ça. Il y a quoi dans la boîte? C'est tout? Ah, un casque. Casque anti-choc. Est-ce que je le mets tout de suite? Je le mets tout de suite. Le truc c'est que là ils sont ensemble. Pas les effectifs pour une fouille approfondie d'une telle zone. C'est la zone d'essai dont on m'a parlé. Enfin, je sais pas. Foutre, ici. Il n'y a même pas de leurre, ce serait bien qu'il y ait des cailloux comme ça. Faut que je fasse gaffe. Ils sont deux, ils veulent pas se séparer, séparez-vous, non? C'est quand même super macabre. Ah, ils vont me voir là, de ce côté-là. J'ai jamais vu autant de morts. Et c'est nous qui les avons tués, tous. On va vérifier que tous les packs sont leur compte, ok? On ne peut pas être responsable s'il y en a ne serait-ce qu'un qui vient nous demander des comptes à coups de pompe. Ouais, bon, à mon avis, on va s'attaquer à eux, mais vraiment en mode... Si quelqu'un a survécu au crash, il doit être en puce là, alors qu'il est... Je sais pas s'il si me trouve direct. Si jamais on loupe un survivant, Stone va nous tailler un costard entièrement. Ou si l'autre, il va commencer à me chercher. L'élément ennemi est vivant. Ils m'ont pas vu. Ah, il m'a trouvé. Je bouge, putain! Il a peur. Mais ouais, mon gars, t'as cru quoi? Non, j'ai galéré. Portez au courrier. Ok. Il y a une trousse de soins par ici. Ah non, c'est dedans. C'est de l'autre côté en fait. Est-ce qu'il a de l'endurance? Parce que là il pédale. Vas-y, il est où la trousse de soins? Deuxième zone du crash. Vas-y, dépêche-toi. Une boîte par ici. Ah, il y a des mecs. Il y a du monde par ici. Attends, j'ai pas vu comment on recharge. Je pense que je suis déjà rechargé. Bon. Je sais pas s'ils sont là-dedans. Ils sont pas là-dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Gilet. On va le mettre. Hein. On passe. Je sais pas pourquoi on cherche des survivants.
comment tu peux survivre à ça? On peut être sûr de rien, cherche les traces de sang. Le gars est encore en vie, c'est peut-être caché dans la végétation. Il y a un mec, je sais pas où il est. Enfin, il y a deux mecs, je sais pas où ils sont. Un là, deux. Oui, ils sont deux, ils sont quatre. Je pense vraiment qu'un type a survécu et campe dans les hautes herbes. Eh bien là, c'est les pires terreurs du gouvernement américain. Nos défenses les ont atomisées. Ouais, je pense qu'ils sont deux. Mais là, ils me regardent, c'est compliqué. Alors, est-ce que je peux me allonger par terre? Ouais. J'ai jamais vu des épaves comme ça. Camouflage pas avant. N'en sois pas trop sûr. Mais non! Il est passé dans une moissonneuse batteuse. Il a perdu la moitié de son corps. Mais il s'en est tiré. Les secours ont eu du mal à le foutre dans l'ambulance, tellement ils gigotaient. Il y a un mec par là? Je pense qu'ils sont quatre en fait. Dans un coin pareil, s'ils sont encore de ce monde, ça va pas durer. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient comme machine ici? Non! Je les vois pas. T'as vu la classe des épaves et les explosions? Ça ne veut pas que ce monde. Ils ont fait le tour? Ouais, ils ont fait le tour. Ah, ils sont là-bas. Vérifiez que tous les épaves sont leur compte, ok? Ils ne peuvent pas être responsables si on a. Ah, ouais, non, ils sont. 4. We are 17. Il y en a un là. Aucun contact. Continue à chercher des survivants. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de monde ici. Hein. Continue. Ils sont beaucoup. Hein. Ah, je suis trop loin. Ça c'est quoi? C'est notre hélico? Trois mecs. Trop compliqué, ils sont trop loin. Où je vais au combat, où je trace ici là. Je trace des hélicos de ce genre en Irak. Aucun survivant bien sûr. J'ai toujours voulu être un ghost. Heureusement que j'ai pas donné suite, sinon moi aussi je serais en morceaux dans les marais. Ouais, sauf que les ghosts ne meurent jamais. On va se les faire les gars. Allez. C'est n'importe quoi. Il y a des bouts de cadavres partout. J'ai vu un bras tout seul. Qu'est-ce que... Alerte ! On a un ghost dans la zone ! Par ici. Faites bien gaffe! C'est pas un débutant! C'est un véritable pro! T'as cru quoi, toi? Comment ce bâtard? Dans le mille! Il est où, cet enfoiré? Ah, il est là. Sors ta tête. Et alors, y'a quoi? Ok, on continue. Ah, y'a un truc par ici. Tous venus. Shootez-moi ce fumier avant qu'il tire. Je ne vois plus. Ah, j'en vois un. On va t'enterrer sur cette île.
Ah, c'est bon, ils sont deux. Dernier point. J'espère que ça y est, on a fait tous les mecs là, ça commence à être chaud. Il doit forcément y avoir des survivants. Ah, c'est même pas le dernier. Ah, cinématique. Stormcloud unité, ici Weaver, répondez à vous. Ici Weaver, répondez à vous. Tu captes? Que dalle. Comment ils les ont tués facilement? Ouah, il a besoin d'aide le poteau là. J'arrive frère, j'arrive. Walker. Pardon Weaver. Oh le PD. Tout le monde le connaît lui, ça vous le connaissez. Oh merde. Zone dangereuse, Walker. De haut niveau. Walker, mais qu'est-ce que tu fous? Il a trahi les gens. Il les a trahis. Vous avez vu c'est qui? Attends, je me souviens plus de son nom. Ah, oh, il a joué dans Walking Dead. C'est le gars de Punisher là. Comment il s'appelle? John Bernthal. Bernat Bernthal. Du coup, Walker, le bâtard, il a niqué tout le monde. Est-ce que j'arrive à les tuer tous? Est-ce que là, vous voulez que je descende là, c'est ça? Vous êtes really les gars? Avec tous ces connards là qui ont tué les gens facilement? Est-ce que... Alors attends. Ça c'est quoi? Passer aux ordres. Passer aux ordres. Ok, on s'en fout. Ouais, bah, je crois que je dois être bien au niveau des... La vie, on est parti. Alors attends, je regarde. Et nous avons 1, 2, 3. Il y a du monde là. Je vais laisser cette partie pour notre prochaine vidéo. Je pense que ça fait déjà un bout de temps. Là, on est déjà à peu près à 30 minutes de vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette petite première découverte. On se retrouve d'ici quelques jours pour la suite. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si ça vous a plu. Moi, pour l'instant, j'ai kiffé. Je pense que ça va aller loin sur cette série. Et j'ai kiffé le jeu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, peace.